Bonjour à tous, c'est Louise et Emma. Bonjour. Bienvenue dans une émission spéciale sur le diabète. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi on fait cette émission sur ce thème, eh bien c'est parce que Louise est diabétique. Pour commencer Louise, qu'est-ce que le diabète exactement ? C'est une maladie qui touche le pancréas. Normalement, cet organe sert à se débarrasser du sucre que l'on mange. Mais chez moi... Oui, on devine. Chez toi, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a le diabète ? Très bonne question. Eh bien, quand on a le diabète, on doit s'injecter de l'insuline à chaque repas. Vérifier son taux de sucre régulièrement et prendre du sucre si on est en hypoglycémie, c'est-à-dire pas assez de sucre dans le sang. Y a-t-il des soins au quotidien ? Pour voir si mon diabète n'est pas déséquilibré, je vois un spécialiste tous les 3 mois. Je fais aussi des prises de sang. Et pour les injections d'insuline, on utilise soit ce que l'on appelle stylo, soit un appareil appelé pompe, collé directement sur le corps. Doit-on manger ou au contraire éviter certains aliments ? On peut manger comme tout le monde, en étant raisonnable. Il faut juste compter les glucides pour avoir le bon dosage d'insuline. Mais sinon, à quel âge peut-on l'avoir ? On peut l'avoir à tout âge. J'ai entendu dire qu'il y avait 2 sortes de diabète, c'est vrai ? Oui, effectivement. Il y a le type 1 et le type 2. Quelle est la différence ? Bah attends, j'allais le dire. Le type 1, c'est ce que j'expliquais. Le pancréas ne fabrique plus d'insuline. Et le type 2 ? Mais attends un peu ! Le type 2, nous ne pouvons l'avoir que quand on est adulte. C'est quand on a une alimentation trop riche et ça prend des années à se déclarer. Pour terminer, peut-on guérir le diabète ? Non, on ne peut pas en guérir pour le moment. Mais les scientifiques font des recherches pour pouvoir améliorer la santé de ceux qui en sont atteints. Et peut-être le guérir un jour. Merci Louise. Grâce à toi, on en sait plus sur le diabète. De rien. À bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et commenter. Bye !